Salutations spéciales pour mes amis. Je dis à qui c'est jeudi 7 janvier. C'est avec un pile content que nous jeunes pour que nous capables continuer étudier ensemble. Il y a l'autre partie dans la leçon école sabbat pour semaine. Mais bien avant nous entrer dans l'étude là pour jeudi à nous prier le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous fait l'orange pour vous parce que vous merveilleux dans la vie nous. Tandis que encore une fois jeudi à nous voir étudier parole ou bah nous intelligence pour que nous capables comprendre parole chaque jour et arriver à appliquer dans la vie nous. Concernant pour nous Jésus. Amen. Nous connaissons déjà semaine ça, nous apprenons ensemble leçon 2, crise au gouvernement. Et verset pour nous qui est bien en tête, non, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 1 qui dit comme ça. L'année où Ozias mouria, moi ou Seigneur, l'été chita sur un gros fauteuil bien haut, qui rad l'été plein, tout temps plein. C'est texte ça, nous gagnons pas dans semaine là, pour que nous capables de mémoriser. Je dis à qui c'est jeudi 7 janvier, nous allons ensemble partir de leçon qui titrée. Un appel épouvantable, c'est une leçon qui centre sur Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 13. Épouvantable, qui ça mot ça lui-même le dit. Épouvantable, c'est un bagage qui est étrange, c'est-à-dire qui va paraître souvent. C'est un bagage qui est incroyable, c'est un bagage nous dit tout qui est étonnant, c'est ça nous cap considérer comme un bagage qui est épouvantable. Si nous t'as cherché équivalent de Mozart, c'est ça qui est capable de nous dire. Étonnant, incroyable, et puis étrange, c'est Mozart, eh bien, qui traduit ça nous est épouvantable. Maintenant, nous pourrons lire dans Ésaïe chapitre 6, le verset 9 à 13, et nous voyons quand bon Dieu, le bon Dieu était réengagé, Ésaïe, eh bien, nous voyons pour qui ça, bon Dieu était baillé avec le prophète, là, il y a un message qui paraît étrange, pour que lui-même soit capable de transmettre ensemble avec le peuple. Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 13, mais n'a plus accentué sous verset 9 et verset 10. Regardez qui ça dit. Et puis, laisse ça, il dit, allez non, mais ça pour dit peuple, l'ouvrez nous, j'en ouvre, mais nous ne comprenons pas rien. L'ouvrez nous, j'en ouvre, mais nous ne pouvons pas arriver. Fais l'esprit, peuple, vin loup. Boucher les oreilles, marrer yo, comme ça, yo pas qu'à attendre, yo pas qu'à ouais, yo pas qu'à comprendre, yo pas qu'à tourner vin jeune moins pour me guérir yo. Laisse ça, moi dit, Seigneur, qui l'est, ça va suspendre, il répond moi. L'a fin craser la ville yo. L'est pas gen moun encore qui était là-dedans yo. L'est toute caille yo va vite, les jardins yo va tourner sa vente. Moi-même, Seigneur, m'a metté tout monde dehors dans pays ya, tout pays ya pas rester sans moun là-dedans. Même si rete yon seul moun sou chaque 10 moun nan peyi a, y a toujours disparaître yo. Se va tan kou, le yo coupe pied kajou ak pied bois de chêne. Jouk la, ase ki va arrêter, jouk sa va pousser encore, peuple bon Dieu va camper encore. Eh bien, au cas que nous ta pensé, eh bien, ça que bon Dieu dit avec Isaïe, peut-être Isaïe te ka mal tande, nous ta kap comprendre comme ça, ou bien nous ta dit message ça li pas important. Mais nous, Jésus cite même parole ça dans Matthieu chapitre 13, verset 15, pour expliquer pour qui raison il est toujours enseigné en parabole. Bon Dieu pas voulu crasse mon bédi. Et c'est pour raison ça qui fait bon Dieu, il était voué Esaïe, et bien, dans le peuple Juda. C'est pour ça bon Dieu voué Jésus dans le monde là, c'est-à-dire pour nous-mêmes, nous capables de gagner la vie éternelle. Désir bon Dieu, c'est pas de tuer personne, c'est ouais tout le monde gagner la vie éternelle. Mais tandis que, il y a des gens qui répondent positivement appel, avec appel, bon Dieu, ensemble avec eux, mais il y a des gens qui résistent avec appel, bon Dieu. Eh bien, malgré tout, bon Dieu continue à lancer appel pour nous et lancer encore en plus l'occasion pour que nous, ensemble avec eux, nous capables de repentir. Cependant, plus nous résistons, c'est plus que nous, lui-même, la vie d'endurci. Eh bien, comme ça, bon Dieu capable d'entraîner nous à l'endurcissement. Mais c'est pas ça bon Dieu t'a souhaité. Bon Dieu t'a toujours voulu que nous répondons avec appel li, mais nous pas arriver dans un moment lorsque nous pas voulu répondre avec appel bon Dieu, nous pas arriver dans un moment n'a endurci, c'est-à-dire nous pas briver, nous pas repentir encore. L'amour bon Dieu, il pas jamais changer, il rester même genre. C'est réponse individuelle avec l'amour bon Dieu qui pral et bien qui rend parfois nous pas considérer ça l'amour ça comme un bagage qui varie, mais l'amour bon Dieu, il pas jamais changer vraiment. Ou alors pasteur, tant que Moïse, tant que Isaïe, tant que Jérémie, tant que Ézéchiel et même Jésus, eh bien, c'est continuer à lancer appel avec Mounio,
Et bien, même si mon Dieu même t'a rejeté, appel que bon Dieu lui-même il fait ensemble avec yo. Bon Dieu dit avec Ézéchiel ou mettre parler même les mon Dieu pas attendre parler parce que si on peuple qui rebelle, mais il y a connait dans mitan yo gagne un prophète. Et bien, wol bon Dieu avec wol serviteur yo, et bien c'est bay mon yo et bien possibilité pour yo faire vrai choix de sorte que yo capable joindre et bien suffisamment d'avertissement pour que yo même yo capable repentir à la fin yo pourra choisir est-ce qu'il y a repentir vinn joindre bon Dieu ou bien est-ce qu'il a choisi l'exil ou bien destruction pour comprendre bien ça n'a dit là ou capable Ézéchiel chapitre 3 verset 16 à 21 et Ésaïe chapitre 6 verset 11 à 13 gardez dans l'esprit notion ça qui c'est endurcissement comment on capable comprendre et bien rôle bon Dieu dans endurcissement cœur pharaon dans Exode chapitre 4 verset 21 bon Dieu dit m'bral endurci cœur pharaon. Eh bien, nous entendons des paroles ça, eh bien, bon Dieu déclaré libre en du cœur pharaon. Pour quelle raison? C'est parce que pharaon t'a refusé obéir avec parole bon Dieu. Mais également, bon Dieu dit à neuf reprises, eh bien, que pharaon t'a enduci propre cœur. C'est-à-dire, c'est pharaon qui pas bail bon Dieu place et pour bon Dieu rentrer dans cœur pour que lui-même li capable repentir. Clairement, pharaon t'a possédé un libre habit. Et ou c'est-à-dire c'est lui-même qui choisit en disant propre cœur c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour pharaon te changer pour que lui te douce pour bon Dieu t'es capable d'habiter là-dedans mais le fait que bon Dieu lui-même lui également en disant cœur de pharaon lui indiquait que si dans ces circonstances ça c'est bon Dieu même qui initiait ça qui poussait et bien pharaon à rejeter délibérément sin que bon Dieu lui-même l'était bail ensemble avec lui c'est-à-dire puisque gen un niveau rivé là comment se rebelle avec parole bon Dieu. Ou alors, il y a un moment, parole bon Dieu a parfait effet sur, c'est ça qui nous relie, endurcissement. Eh bien, si Pharaon était réceptif avec signe ça, eh bien, que Pharaon était radouci et que Pharaon n'était pas endurci. C'est-à-dire, que Pharaon était souple, était douce pour que l'amour bon Dieu était capable de pénétrer. Mais puisque Pharaon, depuis au début, il a commencé à résister avec parole bon Dieu, ça vient une cause, eh bien, que Pharaon. Et bien que lui vient endurci, il n'est pas capable d'obéir vraiment avec la parole de Dieu. Dans l'expérience ou avec bon Dieu, est-ce que ça arrive déjà, et bien, ou endurci cœur avec appel que Saint-Esprit lui-même lui lance ensemble avec vous? Réfléchis, qui ça lui-même lui a provoqué la caillou? Et si vous ne trouvez pas qui ça lui-même lui paraît effrayant dans le moment où tu fais là, mais comment je dis à vous de comprendre l'importance, et bien, que appel bon Dieu gagne, ou bien. Est-ce qu'on comprend vraiment leur arrivée en du cœur ou pas obéir avec parole bon Dieu? Et comment ou même ou capable faire pour capable sortir dans situation ça ou capable et Corinthiens chapitre 10 verset 13 si capable et d'où a une réponse et bien avec ensemble des questions ça. Ben en gros, c'était étude jodia un appel épouvantable avant même que nous aller en nous remercier bon Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous vraiment pour qu'on capable tirer profit afin que pour que nous pas endurcir nous mais pour que nous capable un cœur qui obéissant et qu'on s'allie parler ensemble avec nous mais nous capable tendre et arriver à appliquer yo nous pas gain mérite qu'on s'en prenne non Jésus amen déjà monsieur tout bonne étude et à la prochaine.